Come on. No, no. No. Comment ça va le Palais des Congrès de Paris? Asseyez-vous, bonjour à nos amis. Vous nous suivez en ce moment dans le monde entier. Vous êtes en direct sur Facebook, YouTube, je ne sais pas où est-ce que vous êtes en direct. Mais sachez qu'ici, à Paris, on a passé des bons moments forts, intenses. Ça fait quelques minutes, en fait, qu'on a commencé la tournée 110. En fait, pour nous, ça a duré 10 minutes, hein. Vrai ou faux? Et j'aimerais que vous souhaitez d'abord la bienvenue ici en direct. Et on va faire un tout petit bout, 10-15 minutes avec vous. On pense à vous. Sachez que même si ici, on a réuni des milliers de personnes, sachez que vous êtes dans notre cœur, vous êtes important pour nous. Et c'était notre façon de vous remercier et de partager avec vous cette tournée 110. Vous savez, dans la première partie de cette tournée 110, finalement, on a vu tous les mécanismes et on l'a testé et on a eu chaud, qui nous permettent d'être engagés. C'est-à-dire que qui, à votre avis, est responsable de déclencher l'engagement, un événement qui se produit ou votre façon de réagir? C'est quoi? C'est la façon de réagir, absolument. C'est-à-dire qu'on a vu que il y avait plusieurs possibilités de réagir à une perte d'emploi, par exemple, à un être cher, à quelqu'un qui nous a fait du mal, qui nous a refusé une demande, mais on avait le choix, pas de l'événement. On n'a pas le choix qu'il fasse beau ou pas, de perdre un être cher ou pas. On a le choix, en revanche, de la réaction. Et on a vu toute une série de stratégies d'engagement pour nous permettre de passer au niveau supérieur. Maintenant, et avant qu'on parle d'argent, j'aimerais vous parler d'argent rapidement, mais j'aimerais vous donner rapidement des éléments qui ont été prévus sur, et des études qui ont été faites sur le niveau de bonheur. Qui, dans cette salle, sur une échelle de 10 sur 10, pourrait dire « je suis à 10 sur 10 dans mon niveau de bonheur maximum ». Avant la tournée 110, qu'est-ce que vous auriez dit? Combien? Qui aurait dit 5 sur 10? Et dans ces instants de bonheur qu'on a vécu ensemble, dans l'instant, le fait de vivre l'instant présent, est-ce que vous aviez un tracas, un problème qui vous empêchait d'agir? Oui ou non? Non. Et en fait, les chercheurs se sont demandé pour quelles raisons, lorsqu'on est présent, lorsque nous passons au niveau supérieur, lorsque nous appliquons des recettes, pour quelles raisons est-ce qu'on est très heureux? Et en fait, on s'est aperçu que le bonheur, et ça c'est très étonnant, on est heureux, écoutez-moi bien, c'est choquant ce que je vais vous dire, on est heureux quand on ne court pas à être heureux. Oh. C'est-à-dire que ce ne sont pas les grands bonheurs de la vie que l'on a voulu, souhaité, planifié, qui nous rendent heureux dans notre vie. Ce qui nous rend vraiment heureux, ce sont les petits instants improvisés du moment présent. Qui me comprend? Et en fait, les études ont démontré que c'est ça qui nous rend heureux. On est heureux, en fait, parce qu'on a compris que le cheminement, c'est ça qui nous fait, qui nous apporte de l'accomplissement. C'est pas l'objectif final qui nous apporte du plaisir. Vous comprenez? C'est la personne que vous devenez. Et en fait, il y a, aujourd'hui, dans les études qui ont été démontrées, la première des choses que nous devons entretenir tous les jours, et je vous ai montré comment faire dans la première partie, nous devons entretenir, et vous savez faire, des émotions positives, mais plus souvent. Et pas forcément se dire, je vais être dans la célébration, dans la joie, uniquement pour cette occasion. Vous vous rappelez tout à l'heure de Jade qui disait, je suis très heureux et je célèbre dans certains moments importants. Vous vous rappelez de ça? Et elle a 11 ans. Et voilà ce qu'il y a dans notre mental. Je n'ai pas à faire cette petite tape sur l'épaule. Vous vous rappelez, quand je vous expliquais tout à l'heure la saison de l'automne, où on récolte. Eh bien, je ne vais pas le faire parce que c'est un petit diplôme. C'est juste un mariage. C'est juste un contrat. Oh, c'est juste une maison. C'est juste. Et quand vous dites « c'est juste », vous banalisez. Et le fait de banaliser vient casser votre niveau de bonheur. Donc faites en sorte de vivre de plus d'émotions positives. La deuxième des choses qui contribue à notre niveau de bonheur, et ça je pense que c'est la thématique que vous avez bien comprise cet après-midi à la tournée de 110, d'ailleurs
Je ne sais pas qui est la même voix que moi en ce moment. Je crois qu'on est tous comme ça, hein. C'est bien, ça veut dire qu'on a bien travaillé. La deuxième des choses qui provoque un niveau de bonheur, c'est l'engagement. Et vous étiez vraiment engagé. Je pourrais faire le point après avec mon équipe, mais j'ai rarement vu une telle énergie lors de la tournée 110 dès le début. J'arrivais à peine sur la scène que déjà vous étiez embrasé. C'est incroyable. Et c'est toute mon équipe qui dit « What the fuck ?» Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc je ne sais pas ce qu'il vous a pris, mais il vous a appris des bonnes habitudes dès le début et bravo. L'engagement, est-ce que vous avez compris ce que c'est l'engagement? C'est exactement ce que vous avez vécu. Pour résumer, celles et ceux qui nous écoutent en ce moment, vous faites les choses ou vous ne les faites pas. Et quand vous faites les choses à moitié, vous bousillez la totalité de ce que vous avez accompli. La moitié d'une décision, c'est un bordel à la racine carrée. À chaque fois que vous prenez une décision à moitié, vous le regrettez, oui ou non? Donc, soyez engagés au maximum. Et ça, c'est le deuxième élément qui déclenche chez vous un niveau de bonheur. Ensuite, on a vu, on en a parlé, mais on le verra durant le Weekend Spark, de riches relations. Faites en sorte de faire la paix. Faites la paix. Force est de constater que la plupart d'entre vous, vous êtes en train de vous bagarrer en permanence. L'ego, les rapports de force, l'arrogance simultanée, bilatérale dans les relations, et d'abord avec l'un de vos parents, vos deux parents, vos cousins, votre famille, vos frères, vos sœurs. Vous avez besoin de pacifier vos relations, ça suffit, les égos de « j'ai raison et j'ai la plus grande gueule ». Vous comprenez? Pacifiez vos relations, arrêtez de partir en guerre. Vous rappelez tout à l'heure ce qu'on a vu avec Élodie? Quand on ne pardonne pas, la première personne pénalisée, c'est la personne qui a fait une bêtise ou la personne qui ne pardonne pas? C'est la personne qui ne pardonne pas qui est la plus meurtrie. Vous le comprenez ça? Que la plupart d'entre vous, des fois, vous boudez, vous ne pardonnez pas pour punir. Mais ce qu'elle a réalisé, cette jeune femme, c'est qu'elle se punissait elle-même. Et de facto, sa fille. Vous l'avez compris ça? Donc, faites en sorte de... Je sais que c'est notamment pour nos amis qui sont sur les médias sociaux en ce moment, ils arrivent et ça fait peut-être moins de sens pour eux. Mais faites en sorte, et on en a parlé, d'enrichir vos relations. Le quatrième point qui est essentiel pour vivre une carrière et des affaires beaucoup plus expansives, hein, faire comme la mousse et se développer comme ça, c'est qu'il faut que vous rameniez du sens dans ce que vous faites. Donc, l'autre élément, c'est le sens. Combien de fois vous vous êtes retrouvé dans une pièce, dans une salle, dans une réunion, et de vous dire « qu'est-ce que je fous ici ?» À qui c'est déjà arrivé ça ?« Qu'est-ce que je fous ici ?» C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un vous avait pris par le col et vous avez obligé à le suivre. Mais n'oubliez jamais ceci. Vous êtes nés hommes et femmes libres, libres d'agir et de penser, et c'est à vous de choisir. Mais faites du sens. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand tu as envie d'abandonner, rappelle-toi pourquoi tu t'es engagé. Quand j'ai envie de tout abandonner, je dois me rappeler pourquoi je me suis engagé. Et enfin, l'autre point, vous rappelez l'histoire du tableau au musée, c'est l'accomplissement. La vie est un art. Ça veut dire qu'il y a une composante dans la vie que nous ne maîtrisons pas. Un petit peu à l'image de la musique, des couleurs, des odeurs, de la peinture. Il y a un moment donné où vous devez vous sentir bien dans votre vie. Parce que de gagner de l'argent, de développer sa carrière et ses affaires, si vous êtes malheureux, ça ne sert à rien. Qui est d'accord avec moi? Et le juste milieu est très fin, c'est très dur et on enchaîne. Et ça, c'est Martin Seligman, le chercheur, qui a travaillé plus de 15 ans là-dessus. Donc je sais que je résume le travail d'un chercheur ou de plusieurs chercheurs sur un tableau très rapidement, mais repensez à cela. Et puis, il y a un autre point que j'aimerais donner avant de remercier nos amis de Facebook et YouTube, mais ce qui nous porte préjudice aussi et ce qui nous empêche d'arriver à cela, c'est une autre donnée dont on a un petit peu parlé tout à l'heure et que j'aimerais accentuer maintenant avec vous. Il y a un autre danger
Qui a déjà hésité à passer à l'action? On a tous connu ces instants où on se dit j'y vais pas, et, j'hésite, est-ce que c'est bien, est-ce que je vais le regretter? La plupart du temps, à la fin de votre vie, ce que vous allez regretter, c'est tout ce que vous n'avez pas fait. Et si vous regardez les 10, 20, 30 dernières années, ce que vous regrettez, ce n'est pas du tout les décisions que vous avez prises et auxquelles vous avez donné vie. Ce sont toutes ces occasions que vous avez laissées passer sans oser prendre une action. Et je vais même aller plus loin. Ce qui vous empêche de passer à l'action, souvent, sont les peurs. Qu'est-ce qui provoque d'abord la peur? C'est le manque d'énergie, absolument. Et de quelle façon on peut lutter contre ce manque d'action? Eh bien, il y a un ennemi que vous devez supprimer de votre quotidien. C'est très facile à dire, mais ça va demander de l'entraînement. C'est le vagabondage de vos pensées. Le vagabondage de vos pensées. C'est-à-dire que nous passons trop de temps à penser en permanence. Qui est d'accord avec moi? Je vous donne un chiffre qui est assez incroyable. Lorsque vous prenez les transports en commun, vous passez 60% de votre temps à avoir des pensées dans tous les sens, à faire du vagabondage de pensées. 60% de votre temps dans les transports en commun, c'est des pensées. Et est-ce que les pensées de vagabondage sont majoritairement positives? Pardon? Exact. Ça veut dire que, sans y prêter garde, si vous ne faites pas attention à vos idées, vous passez 60% de votre temps dans les trajets, qui passent plus d'une heure par jour dans les transports. Waouh! Vous imaginez? Dans une conversation avec quelqu'un, ça c'est dans les transports, tiens. Transport, ok? Dans une conversation avec quelqu'un, vous êtes en face à face, pas en groupe. En groupe c'est pire, mais en face à face, la personne s'adresse à vous, eh bien vous passez 30% de votre temps à avoir encore du vagabondage d'idées. Vous n'écoutez pas ce que cette personne dit. Sur le milieu du travail, 50% du temps que nous passons au travail, c'est du vagabondage de pensées. Et ce qui est très tabou, ce que je ne dirai jamais en direct, c'est que c'est l'un des principaux ennemis de notre bien-être au travail. C'est des fois pas le patron, c'est pas la machine à café, c'est pas les voisins, c'est pas l'industrie, c'est pas le contexte, c'est pas le local, c'est pas le mauvais ordinateur. C'est parce que vous passez 50% de votre temps à vous dire des vilaines choses à vous-même. Qui est d'accord que vous vous dites des choses à vous que vous n'oseriez même pas dire à votre pire ennemi? On se dit des saloperies à soi-même, vous êtes d'accord? Jamais on n'oserait dire ça à un pire ennemi. Et ce qui est étonnant, c'est que je dirais 10% du temps dans nos relations sexuelles, c'est la même chose. Même dans nos relations sexuelles, dans l'intimité, tu as 10% du temps où il n'y a personne. La lumière est allumée, mais il n'y a personne dedans. On est moins heureux quand on est moins engagé. Qui a compris cela? La concentration des idées ne fait pas partie de notre organisation quotidienne. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que tous les jours, chaque matin, vous vous concentrez et vous organisez où va se déplacer votre corps. J'ai rendez-vous à 8 heures ici, je vais passer par là, je vais prendre la voiture. On organise notre corps. Qui me suit? Mais très peu de gens, et c'est ce que vous aurez après cette tournée 110 aussi, organisent et protègent leurs pensées. Oh, et leurs idées. Qu'est-ce que je vais faire de mes pensées, de mon mental et de mon esprit aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire? Quelles sont mes forces, mes atouts? C'est quoi les trois points forts sur lesquels je vais travailler dans la journée? À quoi je vais dire oui? Et à 90%, à quoi je vais dire non? Vous devez penser à protéger votre mental. La plupart du temps, nous ne sommes même pas conscients des choses que nous pensons. Vous êtes d'accord ou pas? Et quand vous savez que c'est négatif et que 95% des décisions que vous prenez
vous rappelez, on en a parlé tout à l'heure, sont inconscientes, ça vous donne un résultat où vous avez le sentiment de ne pas être heureux dans votre vie, ou même pire, de ne vraiment pas être heureux, pire, de ne pas avoir de chance. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas vos pensées. La plupart des gens en enchaîne vont dire je manque de mérite, c'est le jugement, c'est l'incompétence, je n'ai pas le sentiment d'y arriver. Faites attention et on enchaîne à vos pensées, à ce vagabondage. Si vous avez compris, dites oui. Il y a, vous rappelez tout à l'heure aussi, plusieurs ennemis pour être à 110%, pour être engagé, c'est ça. Et être à 110%, ne vous y trompez pas, ça ne veut pas dire se brûler, travailler 120 heures, 300 heures par semaine. Ce n'est pas ça que ça veut dire être à 110%. Ça veut dire être engagé, concentré dans ce que l'on fait. Je parle à mon enfant à 110% et je n'ai pas un téléphone cellulaire que je regarde en même temps. Je marche dans la forêt pour me détendre, je suis à 110%, je ne fais que ça. Ce qui vous épuise, ce qui vous donne le sentiment de ne pas avoir de temps, c'est parce que vous êtes multitâche. Qui me suit? Et le multitâche ne fonctionne pas notamment pour l'être humain. Pas que pour les hommes. Tu crois que je ne t'ai pas vu, je t'ai vu arriver. Hein? Non, le multitâche, on n'est pas très bon. Je vous donne un exemple. J'ai un tuyau et je vais brancher 5 tuyaux au bout de ces tuyaux. J'ai une pression, d'accord? J'ai une pression et je branche 5 tuyaux. Et je me dis, je vais aller plus vite pour arroser toutes les fleurs du jardin. Et on ne me la fait pas à moi. Hop, qu'est-ce que vous avez au bout? Une pissette. Oh, merde, attends, j'arrive même pas à atteindre les plantes. Là, attends. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Alors que, retenez ceci, concentration égale stratégie. Vous allez choisir un seul tuyau, une cible, boum, uniquement ça. Boum, deuxième. Boum, troisième. Et là, vous êtes efficace. Les 5 ennemis du 110, très rapidement, c'est quoi? Le manque d'énergie. On a vu que dans les couples, la plupart des couples n'ont pas de problème de valeur, de croyance, de vision ou même d'éducation. C'est souvent un problème d'énergie, même la sexualité, quand tu n'as pas d'énergie. La libido tombe, vous êtes d'accord ou pas? L'énergie est à la base de la plupart des ruptures de couple. Je vous assure que c'est très tabou ce que je suis en train de vous dire et je suis en train de casser tous les sexologues qui ne vont pas être d'accord, mais l'énergie. Deuxième des choses, le manque de connaissances. Quand on se connaît, on arrête d'écouter les autres. On arrête de croire qu'on n'a pas de valeur. On comprend quand on se connaît quelles sont nos forces, nos atouts. Quand on se connaît, on comprend que les autres n'ont que des opinions. Ils n'ont que des opinions, ce ne sont pas des faits. Tu es comme ça, tu n'y arriveras pas, c'est pas possible. Ben voyons, arrête de rêver en couleur. Mais quand j'ai une vraie connaissance de qui je suis, je n'y prête pas garde. Qui me comprend? Donc, deuxième gros problème, c'est le manque de connaissances que vous avez. Trois, vous avez du mal à vraiment décider. Ça suffit d'hésiter à ce point-là. Les grands leaders, les 3%, prennent une décision rapide et changent difficilement de décision. Les 97% font l'inverse. Ils mettent du temps à prendre une décision et ils en changent rapidement. Et ça, c'est la moyenne, le standard dans la société. Oh, je ne suis pas sûr, j'y vais, je ne sais pas. Oh, à propos, apprenez à décider. Ce qui vous empêche d'être à 110% vraiment engagé, c'est le manque de cette capacité d'être décidé. Là, au début de cette tournée 110, vous êtes monté en puissance de plus en plus et vous avez vraiment décidé tout à l'heure. Vous vous rappelez dans les exercices, vous avez décidé. Il n'y avait pas le moindre doute. Vous vous rappelez ou pas? Pas le moindre. Et vous l'avez en vous, ça. Et vous me l'avez dit, vous avez déjà pris des grandes décisions dans votre vie. La plupart d'entre vous, quand je vous ai demandé, vous m'avez dit « Franck, j'ai déjà connu une décision où je n'ai jamais reculé. Faites-moi voir si c'est le cas encore. » Donc vous savez se faire. Il ne faut pas de diplôme d'intelligence particulière, de diplôme de doctorat. 4, c'est le manque d'action. Plus vous allez passer à l'action et plus vous allez obtenir des résultats. La plupart d'entre vous, vous hésitez. Et 5, le cinquième ennemi, c'est le manque de contribution. Je suis désolé de vous le dire. Je suis désolé. On ne l'a pas vu dans cette salle avec Elodie tout à l'heure, parce que vous étiez très empathique avec elle, vous souffliez vraiment les réponses.
il ne fallait pas le faire. Mais on sentait que vous l'aimiez, vraiment, vous vouliez l'épauler, la soutenir. Mais c'est le manque de contribution. Les gens sont très égoïstes. Très égoïstes. Pensez toujours aux autres. Il y a toujours un petit bout pour les autres. Et ça ne va pas vous enlever votre bout à vous. Vous voyez le direct qu'on fait en ce moment. Ça ne vous enlève pas votre prix de place. Vous comprenez ou pas? Ça ne vous enlève rien, ce direct qu'on fait en ce moment. Mais on donne à d'autres personnes. 80% de mon contenu sur Internet est gratuit. Et notre entreprise prend 40% d'expansion chaque année. Je suis en train de démontrer quoi? Qu'en étant généreux, ça ne vous enlève rien à vous. Il y a des gens qui pensent qu'en donnant à d'autres, ils n'auront pas pour eux. C'est un faux concept, c'est faux. Il y a plus de gens aujourd'hui qui meurent parce qu'ils mangent trop que l'inverse en Occident. Oui, vous pouvez vous applaudir. Bravo. On enchaîne. Donc voilà pourquoi je voulais vous dire que la première des choses, c'est de se rappeler de ces ennemis-là. Ensuite, on va faire un petit exercice, puis ensuite on va libérer nos amis sur YouTube et Facebook. Levez-vous. On va faire un petit exercice, et puis à la maison, vous faites la même chose, évidemment, vous faites la même chose. Un petit cadeau que j'aimerais vous faire. À partir d'aujourd'hui, enfin, je le dis à celles et ceux qui n'étaient pas là au début avec la tournée 110 avec nous, mais c'est terminé de voir petit. Voyez grand. Voyez comment ? Ne voyez plus petit. Si vous voulez une augmentation de revenus de 10 000 à l'année, prévoyez 1 million. Pas 10 000, 1 million. Et je ne plaisante pas. Si tu veux trouver la femme de ta vie, tu ne veux pas la trouver dans 15 ans, mais dans un mois. Vous faites en sorte de voir grand immédiatement. Immédiatement. Une maison, tu rigoles quoi, ça c'est une sardine. Je veux une grande maison, je veux un château. Je ne veux pas 1 000 clients, j'en veux 20 000 de clients. Je ne veux pas développer mon chiffre d'affaires de 10%, je le veux de 40%. Le fait de voir grand va développer, décupler vos capacités. Et je vais vous le démontrer ça maintenant, physiquement avec un jeu. Vous n'allez pas vous blesser, à la maison non plus surtout. S'il y a un problème, tu appelles les pompiers. Mais je voulais vous dire que c'est parce que vous visualisez grand que des actions grandes et vous allez oser prendre des décisions, vous allez cesser de douter. Quand le projet est immense, on ne doute plus de prendre des décisions. Et plus vous allez voir petit, plus vous allez voir petit, et moins vous passerez à l'action. Alors on va faire un test. Pointez-moi du doigt comme ça. Voilà. Et vous allez en fait tourner comme ça en arrière et aller le plus loin possible. Allez-y. À la maison, vous faites la même chose. Tournez en arrière. Non, il ne faut pas bouger. Tu restes sur tes jambes. Il ne faut pas bouger, j'ai oublié de vous le dire. Non, on va recommencer. Donc, vous restez. Applaudissements. Bon, on va refaire. Donc, à la maison, c'est la même chose, d'accord? Vous gardez vos pieds au sol, vous ne bougez pas le bassin. C'est juste une rotative au niveau du thorax, d'accord? Donc, vous mettez ici et vous essayez d'aller en arrière. Et vous regardez jusqu'où vous allez. Alors, par exemple, peut-être que, comme personne ne va bouger, hein, évidemment, personne ne va bouger, vous regardez jusqu'à qui vous allez. OK ? OK ? Revenez. À la maison, vous allez faire la même chose. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Maintenant, imaginez-vous être un homme ou une femme complètement et beaucoup plus élastique. C'est-à-dire que l'effet de voir grand, c'est de se dire mentalement, je veux faire quasiment le tour de moi, comme si je n'avais pas de contraintes physiques. Et vous allez d'abord le faire cérébralement. Allez-y, fermez les yeux. Et imaginez-vous en train de faire un tour complet. Mais l'exercice est difficile, je sais, concentrez-vous. Donc imaginez-vous en train de faire le tour complet, comme ça, comme un homme élastique dans un dessin animé. Et hop, vous revenez de l'autre côté. Allez-y, et vous revenez en arrière. Voilà. Et on va le refaire encore une fois, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont du mal à se concentrer. Allez-y, tournez à droite, tournez. Faites encore le tour. Là, encore. Et hop, n'ayez pas peur, c'est hop, comme dans un dessin animé, hop, et vous faites encore le tour. Vous avez le torse comme ça, strié, mais c'est pas grave, c'est un dessin animé. Et vous revenez à votre place, allez-y. Ok, ouvrez les yeux, bougez-vous. Et maintenant, écoutez bien, voilà ce que vous allez faire. Vous allez à nouveau faire le même mouvement que tout à l'heure
et comme tout à l'heure, essayez d'aller le plus loin possible. Allez-y, et vous allez voir ce qui va se passer. Applaudissements. Évidemment, durant le Weekend Spark, on va vous apprendre tout ça. Et il n'y a rien de magique. Oh mon Dieu, endors-toi tout de suite. Donne-moi ton numéro de carte de crédit à distance. Vas-y, maintenant. Ce que je veux vous dire, c'est que votre mental a un pouvoir que vous n'imaginez pas. Vous avez une capacité cérébrale qui est immense. Mais encore une fois, on vous a dit « ce n'est pas possible ». On vous a dit, tu es cette petite fille, tu es ce petit garçon. Et le fait de voir grand, croyez-moi, mes amis, tout ce que j'ai regroupé cet après-midi, je sais que c'était beaucoup de choses, et c'est vraiment ma faute, mais je voulais vous donner un maximum d'informations cet après-midi, un maximum, pour vous repartir avec des outils que vous disiez, mais waouh, tout est possible. Merci. Merci. Tout est possible. Today is my. Today is my. Today is my. On va maintenant applaudir et remercier nos amis de Facebook, YouTube. À bientôt.